c'est tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. J'avais envie de faire cette vidéo et je me suis dit, bah, on va la préparer, on va la faire. Donc, aujourd'hui on est sur une petite image de Bedwars, parce que je ne peux pas vous illustrer tout de suite ça, cette vidéo. Donc en fait aujourd'hui je vais vous apprendre une technique pour pouvoir tout le temps gagner dans les Bedwars. Donc c'est très simple. Donc on commence dès maintenant, vous arrivez dans votre base et après qu'est-ce que vous faites? Go! Donc attendez. Voilà. Donc vous êtes dans votre base comme ceci. Vous la voyez votre base? Vous la voyez? Et bien c'est parfait. Donc vous êtes dans votre base et vous allez prendre vos affaires et vos lingots de fer comme ceci, ou petits lingots de fer qui sont juste en fait. Vous allez prendre vos lingots de fer juste ici et votre or et vous allez en prendre 8. Enfin, vous devez en avoir 8. 8, pourquoi? Parce que 4 et 4 égale 8. Parce que 4, c'est égal à une laine. À 16 laines. Donc là, il me faut 32. Donc ça fait 32. Si on calcule bien. Donc, du coup, vous allez pouvoir aller rush une base. Que, vu que vous allez être très très rapide, ce qu'il faut, c'est être extrêmement rapide. Les gens seront peut-être en dessous en train de récupérer leurs affaires et leurs trucs. Et vous allez rusher tout de suite à leur base pour pouvoir les avoir. Et, comme ça. Tout de suite les rochers, tout de suite, les rochers à fond pour que vous puissiez bah, tout simplement y arriver. Tout simplement. C'est très logique hein, de toute façon. Donc vous allez rocher, après vous allez casser leur lit, vous allez tout de suite vous barrer à votre base. Donc attendez, votre base, on va dire que c'est celle-ci. Donc vous allez vous barrer à votre base qui est juste ici. Et après vous allez protéger votre lit avec de l'endstone. Après vous allez rush. Au diams, ok, c'est le rouge diams. Après, vous ne protégez pas plus votre lit. Vous allez de l'autre côté, en fait, vu que vous allez rejouer au diams, prenez vos diams, vous faites vos améliorations. Je vous conseille de mettre, je pense que tu as 2 diams, donc allez, 4, si tu en as 4, je te conseille de commencer par mettre le hit the trap et après de mettre l'épée. Ou sinon, si tu as 2 diams, tu peux mettre. Comment ça s'appelle le heal pool. Après tu fais comme tu veux. Donc voilà, après tu rushes avec, tu vois, avec le diams que t'es allé, t'as rush le diams. D'ailleurs on va peut-être changer de photo. Avec le rush, on va dire que c'est des diams. Donc quand t'as rush les diams, tu vas ici dans droite. Tu vas ici et tu vas prendre de la laine. Ou sinon s'ils ont déjà rush, bah c'est bon. Ils ont déjà rush le diams les autres. Les autres adversaires, toi qui ont cette base du coup, les autres adversaires qui ont cette base, et eh ben ils ont déjà rush au diams, on va dire, ou sinon ben, tu prends de la laine et tu fais. Et je pense qu'ils ont aussi protégé déjà leur lit, donc tu vois en conséquence, ils ont pris du bois, tu prends enfin tu vois en conséquence, tu leur pètes leur lit, et après tu protèges encore un petit peu ton lit avec de l'endstone toujours, comme ça, voilà, et tu prends ton fer et tu. Prends tout et tu vas protéger ton endstone avec ton lit, avec ton endstone. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire et tout? Après, bah, tout simplement, tu vas au mid. Ça peut être un petit peu risqué, mais moi j'ai tout essayé, hein, je vous dis. Donc, tu vas au mid. Je sais pas trop, je peux pas vous illustrer ça. Mais... Ouais. Tu vas au mid. Au mid où t'as les émeraudes, tu prends tous les émeraudes. D'accord? T'essaies d'en avoir le maximum. Tu les mets dans ton coffre de l'under. Et après, je pense que tout le monde aura rush aux émeraudes à ce moment-là. Donc les deux, donc t'essayes d'aller rush les autres, en examinant leur base en premier, après tu vas les rush, tu penses à prendre une épée en fer, à prendre une armure en fer, etc. C'est comme ça qu'on fait, tu vois, c'est en étant très rapide, en rushant très rapidement toutes personnes qui n'ont pas du tout protection, c'est comme ça qu'on fait, donc voilà. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, technique, que j'ai déjà faite, etc. Je peux aussi vous faire, j'ai aussi une idée dans technique, dans la photo de Skywars, la technique de Skywars, parce que j'ai pas mal d'idées comme ça. Donc si vous voulez gagner, et ben c'est comme ça qu'il faut faire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux liker, commenter, partager, ça me fait un plaisir. Bye. Si tu crois que ça t'a plu, mets un gros like.